Y si tú hablas español, hay una versión en español también para ti, porque yo creo que La Pequeña Petra, hay cuatro versiones de este libro. Hay una versión en criol. No. Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de nouveau sur ma chaîne. Je vais vous présenter trois auteurs, en fait, dont deux de ces auteurs-là écrivent des romans, en fait, des livres pour enfants bilingues. Donc, si vous avez des enfants à la maison qui parlent français, créole, créole, anglais, anglais, espagnol, vous avez vu mon intro, hein, de la Pequeña Petra. ces livres-là sauront les plaire. Et donc, c'est ça. Moi, je trouve que ces auteurs-là font des choses géniales parce que moi, quand j'avais 4-5 ans, j'avais juste des livres soit en français ou en anglais. Maintenant, on ne se sent pas vraiment imposé et on a la possibilité de lire en français et en créole et d'avoir des livres bilingues. Moi, je trouve ça juste génial. Alors, restez branchés, je vais vous présenter les auteurs. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, c'est la collection La Petite Petra. La Petite Petra est une collection de livres bilingues et l'auteur est Christelle Armand Kensky. J'espère que je n'ai pas massacré son nom. Mais donc, c'est ça. Celui-là, c'est le numéro 10 et le titre, c'est La Petite Petra. Petra Aklili Alna Carnaval pour première fois. Ça, c'est la version créole. Et bien sûr, vu que c'est bilingue, il y a une version en anglais. Petra and Lily go to the carnival for the first time. Elle est juste géniale. L'auteur d'avoir pensé à ça, que votre enfant soit francophone et que vous voulez lui apprendre une deuxième langue ou même une troisième langue, c'est tellement facile avec la collection La Petite Petra. Et qu'est-ce qu'elle a pensé à tout? Parce qu'elle a même mis une grammaire en anglais et en créole pour vous expliquer la prononciation. Je mettrai toutes les informations dans la barre info. Si vous voulez, je pense qu'elle est sur Instagram aussi. Je mettrai les informations sur Instagram. Moi, celui que j'ai, c'est le numéro 10. Donc, il y a 9 autres avant. Et je ne sais pas combien de livres qu'il y a dans cette collection-là. Mais c'est une collection de livres qui vaut vraiment la peine. En lisant le livre, ça m'a fait penser à Martine. Moi, j'ai grandi avec Martine. Et maintenant, il y a la collection La Petite Petra. Alors, je continue avec une autre géniale, une autre qui pense à tout. Mais elle, ce livre est en anglais et en créole. Et le titre de ce livre, c'est pour moi, oui. En anglais, c'est You Belong to Me. Et l'auteur, c'est Gloria Gaynor Boyd. Ouh, j'espère que je n'ai pas massacré son dernier nom de famille. Boyd. Des fois, ok, oui, je suis bilingue, mais des fois, j'ai de la difficulté à prononcer certains mots. Et je ne suis pas gênée de le dire, donc c'est ça. Donc, c'est Gloria Gaynor Boyd. Alors, j'espère que je n'ai pas massacré ton nom, Gloria. Mais alors, avant de commencer à vous expliquer, à vous faire un petit résumé du livre, regardez la page couverture. Quand j'ai eu le livre, la première chose que je voulais littéralement, c'était de prendre le livre puis de l'encadrer comme un tableau. Parce qu'à l'intérieur du livre, les images sont superbes. Déjà, le résumé, c'est très simple, c'est l'histoire d'une maman qui a deux enfants, mais bizarrement, elle amène toujours sa fille au marché. Et un jour, sa fille se rébelle, sa fille lui dit: pourquoi c'est moi que t'amène toujours au marché pendant que j'ai un frère? Et sa mère lui raconte pourquoi. Alors, donc, je ne vous dirai pas pourquoi elle l'amène, c'est à voir, c'est à découvrir si vous êtes intéressé. Le livre est sur Amazon. Et comme je vous disais, hein, regardez, oh my god, les images à l'intérieur sont trop beaux et c'est un livre en français et en créole. Attendez, j'ai d'autres. J'en ai d'autres ici. Regardez. En français et en créole. Et comme je l'ai mentionné, elle donne des cours de créole aussi. Je mettrai toutes les informations dans la barre info si vous êtes intéressé. Mais donc, c'est ça. C'est You Belong to Me, c'est pour moi ouillé de Gloria Gaynor Boyd. Excuse-moi si j'ai mal prononcé le Boyd. Et le dernier, c'est Mes Magiques de Karine Barthélémy. Ce livre-là est un livre uniquement en français. C'est l'histoire de Willow qui découvre qu'il a un certain pouvoir. Mais qu'est-ce que j'ai adoré dans le livre, c'est le fait que Willow, il a une bonne relation avec sa petite sœur. Moi, j'adore les relations, les livres en fait qui mettent en valeur les relations entre frères et sœurs. Et ce livre est juste génial. Si vous me suivez sur Instagram, ça fait, en fait, je pense que je l'avais mis depuis le début de l'été. Ça fait uniquement quelques mois que c'est sorti. Et si ma mémoire est bonne, je pense que j'ai vu passer le cahier de dessin de Mes Magiques et il y a même des cartes de Noël aussi. Alors, donc c'est ça et les images à l'intérieur sont géniales, ok? Regardez.
Représentation, très important. J'ai adoré ce livre et je vous le conseille. Je pense que il est disponible sur Amazon, il est disponible à la librairie Racine aussi. Donc, c'est ça, allez jeter un œil. Et c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ce clip et j'espère que ce sont des livres que vous lirez très prochainement pour vos enfants. Et je tiens à préciser aussi, si vous avez un budget et que ça ne vous intéresse pas de les acheter, mais que vous êtes intéressé, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que vous pouvez faire des suggestions d'achat. Vous pouvez vous présenter à la bibliothèque de votre quartier, faire des suggestions d'achat et si les livres sont intéressants, les gens vont les acheter. Donc, vous les aurez pour rien. Alors, que vous voulez? La Petite Petra, Mes Magies ou You Belong to Me, il y a possibilité de les avoir gratuitement en faisant des suggestions d'achat à votre bibliothèque locale. Alors, j'espère que vous avez aimé ce clip. Donnez-moi des pouces en l'air, je veux des pouces en l'air. Partagez mes vidéos aussi, hein, parce que j'essaie de faire grandir ma chaîne. Partagez mes vidéos, laissez-moi des commentaires. Si vous connaissez d'autres auteurs qui écrivent pour les enfants, si vous connaissez d'autres auteurs qui écrivent des livres bilingues, laissez-moi savoir, laissez-moi des commentaires, comme je vous l'ai dit. Et quoi d'autre? Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez aimé, j'ai dit donner des pouces en l'air et dites-moi... Si vous connaissez déjà, je sais pas moi, si vous connaissez déjà la collection La Petite Petra ou si vous avez déjà une version de Mes Magiques ou You Belong to Me. Alors, c'était tout pour moi. Sur ce, je vous dis bye et joyeuses fêtes et à très bientôt.